Oh Gentil, regardez qui c'est qui est là. Tu peux avoir l'air un peu plus heureuse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT dans ce mois de JVDT. Et la JVDT du jour, j'avais trop hâte de vous amener puisque c'est un cas brésilien, ça concerne une influenceuse brésilienne. C'était un des scripts les plus intéressants que j'avais le plus hâte de faire pendant ce mois de JVDT et j'ai été très surprise quand on me l'a demandé sur Insta. Mais vraiment, ne vous arrêtez pas sur le fait que c'est une influenceuse brésilienne, que vous la connaissez pas et que du coup vous allez pas regarder, puisqu'on va parler de l'influenceuse Larissa Manoela, donc à la française Larissa Manoela, qui a commencé sa carrière quand elle était très petite et dont ses parents ont profité d'elle pendant 18 ans. Franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un arnaquer quelqu'un de sa famille comme ça. Et vous allez voir, c'est très très grave parce qu'elle a donné des interviews, elle a parlé, les avocats ont parlé, ça a pris une ampleur pas possible. Donc, on va direct attaquer tout ça avant que la vidéo commence. Vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour ce mois d'IVDT. Et on attaque! Larissa Manoela Taques Elias Dos Santos. Vous avez vu son nom de famille très très long, franchement. Giovanna Saestrada, j'ai de la chance parce que Larissa Manoela Taques Elias Dos Santos, elle est donc née le 28 décembre 2000. Elle a actuellement 22 ans, donc elle est très très jeune et elle est née au Paraná. D'ailleurs, s'il y a des Brésiliens ici ou des gens qui parlent portugais, dites-moi le dans les commentaires, mettez un emoji Brésil-Portugal. Larissa, elle est donc fille unique, sa mère c'est Silvana et son père c'est Gilberto. Et elle a commencé sa carrière à l'âge de 4 ans, lorsqu'un agent de mannequin l'a remarqué dans un supermarché. Ils l'ont donc abordé, enfin ils ont abordé surtout sa mère, ils lui ont proposé de faire des photos, elle a accepté et sa carrière a commencé comme ça. Sa carrière d'actrice va pas mettre trop longtemps à débuter, puisque comme je vous ai dit, elle a été repérée à l'âge de 4 ans et c'est à l'âge de 6 ans qu'elle va avoir donc son premier rôle. Et Larissa, elle va vite exploser, elle était vraiment très forte pour jouer malgré son jeune âge. Et elle faisait vraiment de tout, séries, films, telenovelas, surtout les telenovelas. Au Brésil, c'est très très connu, franchement, qu'est-ce que ça me manque, les telenovelas. Et elle faisait carrément la doublure dans des dessins animés. Et c'est donc son père et sa mère qui s'occupaient de sa carrière, de ses contrats, de son argent, de son revenu, puisque Larissa avait seulement 6 ans. Et ils vont carrément lâcher leur carrière respective pour se concentrer à être manager de Larissa Manoela. Et l'embrouille va commencer tout simplement quand Larissa va leur dire qu'elle aimerait être un peu plus impliquée dans ce qui se passe dans sa société, ce qui est normal, elle a 22 ans, c'est une adulte, elle s'est jamais penchée sur ce côté administratif. Je trouve même que c'est très intéressant qu'elle veuille en savoir plus. Et quand elle va demander à sa mère d'en savoir plus, sa mère va un peu mal le prendre. Et en fait, je pense qu'il y a eu une embrouille tellement grave au point que sa mère l'a unfollow d'Instagram. On savait déjà qu'en ce qui concernait l'argent de Larissa, c'était géré d'une façon assez bizarre parce qu'une fois, elle avait fait un interview et la journaliste lui avait donc demandé « Ouais, Larissa, vu que t'es célèbre, est-ce que ça t'est déjà arrivé que t'ailles quelque part et que tu te prennes en paiement refusé ?» Et en fait, Larissa, elle va répondre que oui, que ça lui arrive tout le temps. Les gens ils vont pas trop bloquer sur ça, mais c'est vrai que dans cette interview, elle va parler un peu de comment ça marche sa rémunération et elle va dire qu'elle n'a pas de salaire. À ce moment-là, elle a déjà 18 ans, donc elle est majeure. Qu'elle n'a pas de salaire, qu'elle a seulement un argent de poche. As pessoas não sabem assim, gente. Todo meu dinheiro quem cuida é o meu pai e minha mãe. E eu tenho uma mesada, num cartão que a gente chama de salário mínimo de uma vida. Não, eu tenho uma mesada. E aí, quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo, tipo, uns 3 meses, porque daí acumula minha mesada e aí eu gasto tudo de uma vez. Donc, déjà, c'est très, très bizarre de pas avoir de salaire. T'as juste un argent de poche de la part de tes parents. Alors que tu fais des telenovelas, des séries, elle a sorti des livres, elle a fait des dessins animés, elle était mannequin, elle a fait des collabs avec des marques. La meuf, elle est puissante. Moi, pour que vous ayez une idée, je vous la mets au-dessus de Lena Situation. Vous voyez, elle est vraiment très, très puissante au Brésil, cette fille. C'est vrai que moi, j'essayais un peu de comprendre, genre, comment à 18 ans, tu te dis pas que c'est bizarre que t'as pas de salaire. Parce qu'elle, elle a jamais trouvé ça étrange, que ce soit un argent de poche et pas un salaire avec des fiches de paye. Et je pense que quand t'es dans ce milieu depuis toujours et que t'as jamais connu un autre travail, peut-être que t'as pas la notion du système de fiches de paye, de être rémunéré de cette façon. Surtout qu'on va apprendre que le petit ami de Larissa, avec qui elle est restée très très longtemps, lui aussi, ses parents géraient ça de la même façon. Donc en fait, peut-être que Larissa, elle n'avait pas de moyens de comparaison parce que son petit ami, lui aussi, il avait de l'argent de poche alors que lui, il jouait dans la même série que Larissa, dans la même telenovela. Donc c'était la même situation.
Et pourtant, leur argent était géré de la même façon. Donc peut-être qu'elle s'est jamais posé de questions. Et quand la mère de Larissa va l'enfollow, personne ne va penser à une histoire d'argent, à une histoire familiale qui touche la carrière de Larissa. Ils vont surtout penser au nouveau petit ami de Larissa, surtout son fiancé, puisque Larissa s'est fiancée très très récemment et les parents n'étaient pas du tout d'accord avec cette relation. Et la mère de Larissa, qu'est-ce qu'elle avait fait à ce moment-là? Elle avait été sur le profil de l'ex petit ami de Larissa, qu'elle a très très bien connu puisqu'ils sont restés ensemble très longtemps, et il avait mis une photo pour la nouvelle année, donc le 1er janvier, en souhaitant bonne année à tout le monde. Et elle va commenter sa publication en disant: je résume ici ce que je t'ai envoyé sur WhatsApp, joyeux absolument tout pour toi, tu nous manques, bisous. Donc à quelle heure ta mère va dire ça à ton ex? Mais bref, on fait une avance rapide. En juillet, Larissa va apprendre qu'une maison qu'elle avait aux États-Unis a été vendue. Et ce qui va poser souci, c'est que de 1, Larissa ne savait pas que la maison avait été vendue. Personne ne lui a demandé, alors que la maison a été achetée avec son argent. De 2, pour elle, elle a été vendue peu cher, puisqu'elle a été vendue pour 1,1 million de dollars. Et apparemment, il l'avait acheté plus cher que ça. Et de 3, Larissa n'a jamais vu cet argent. Voilà, quand elle a commencé à demander à ses parents où était l'argent, ils ont dit pourquoi tu veux t'occuper de ça, nanana. Elle avait demandé les relevés bancaires de son compte, ses parents ne voulaient pas lui fournir, puisque Larissa n'avait pas accès à son compte bancaire. Et c'est cette histoire de maison qui va déclencher absolument tout, puisque quand il y a eu cette histoire de la maison aux États-Unis qui a été vendue, Larissa va donc demander à avoir ses relevés de compte, Larissa va demander à en savoir plus sur la société, à savoir comment ça se passe, et une giga embrouille va déclencher. Il va se passer plein de choses sur les réseaux sociaux, et Larissa va aller sur une émission télévisée très connue au Brésil qui s'appelle Fantástico, et elle va donner une interview en expliquant absolument tout. Et c'est donc là que je vais tout vous expliquer, parce que tout ce que je vais vous dire, on va apprendre dans cette interview. Elle va sortir les preuves, elle va sortir des vidéos, elle va sortir des screens. Première chose, dans cette interview, Larissa va dire que l'embrouille avec sa mère n'a rien à voir avec son fiancé, qu'ils essayent juste de faire passer ça comme la raison pour cacher tout ce qu'ils lui ont fait pendant ses 18 ans de carrière. Eu sentia que era muito fácil colocar a culpa em quem estava comigo. E conforme eu fui crescendo, ela foi vendo que talvez ela não ia conseguir proteger para sempre. Et elle va dire en fait que tout est question d'argent. Elle va montrer tout d'abord des messages avec sa mère, parce que sa mère, pendant ce temps, elle avait pris la parole en disant que Larissa était méchante, que Larissa voulait pas parler à ses parents, que Larissa était ingrate. Donc Larissa va commencer l'interview en montrant les messages avec sa mère qui se fait passer pour la gentille. Et c'est un message qui date de la période de Noël. Donc on voit que le conflit date depuis Noël, et Larissa a donc envoyé un message à sa mère, comme vous pouvez voir, pour lui souhaiter joyeux Noël. Donc en quelque sorte, elle va dire: salut maman, je sais que tu vas pas répondre à mon message, mais je veux te l'envoyer quand même. Je voulais te souhaiter un joyeux Noël, même s'il va pas être joyeux, puisqu'il serait seulement joyeux si on serait tous ensemble, comme je l'ai rêvé cette nuit. Mais je comprends votre décision, et moi aussi j'ai fait la mienne. Elle va ensuite parler de Dieu, à quel point Dieu est important dans nos vies, à quel point Dieu aide les gens à se réconcilier. Et ensuite, elle va dire que la vie, elle est trop courte pour ne pas profiter de chaque moment, qu'il faut apprendre les uns des autres à guérir, à pardonner. Et elle finit en disant: tu me manques, je t'aime énormément, ma meilleure amie me manque, je serai là dès que tu seras prête, passe une bonne nuit de Noël. Franchement, quand j'ai lu le message, ça m'a fait trop de la peine, parce que être en conflit avec quelqu'un de ta famille, ça doit être horrible. Et sa mère va répondre: va te faire foutre, oublie que je suis ta mère, j'ai même pas lu, j'ai déjà supprimé. Tu as fait tes choix et moi aussi. Elle va ensuite aborder la question de l'argent. Elle va dire que la grosse embrouille a éclaté quand sa maison a été vendue et qu'elle a demandé où était passé l'argent et que ses parents ils esquivaient. Mais que ça vient de bien avant, parce que Larissa n'avait jamais d'argent sur son compte. Et avec ça, elle va prouver avec des screens. Mais c'est pas qu'elle avait pas d'argent pour s'acheter un sac Louis Vuitton ou pour s'acheter des chaussures Hermès. Rien à voir, il y a des screens où on voit Larissa demander à ses parents de faire un virement sur son compte pour qu'elle puisse acheter du maïs sur la plage. La meuf, elle n'avait pas 4 reals sur son compte pour acheter du maïs ou pour acheter une glace quand elle était à la plage. Elle voulait acheter une noix de coco, elle devait demander à ses parents d'acheter une noix de coco. La meuf, elle gagne des millions et elle doit demander à son père de lui faire un virement. Elle a même pas cet accès que les gens de 17 ans, ils ont, d'avoir un compte bancaire et de transférer l'argent d'un compte à l'autre. Non, une fois, elle avait dit qu'elle avait vu une paire d'escarpins et elle demande du coup de les acheter. Ça coûtait 825 reals. Ça fait même pas 120 euros, vous voyez. Elle voulait acheter des chaussures, des escarpins pour un événement. Elle devait demander à son père. Genre, c'est hyper contrôlateur alors qu'elle est majeure. Elle gagne son argent, elle devrait pas avoir à demander. Et le culot du culot, c'est qu'on a vu après que pendant ce temps,
ses parents, ils avaient retiré du compte de Larissa la somme de 5 millions de réals. Donc la meuf, elle est en train de demander d'acheter du maïs et eux, ils ont enlevé la somme de 5 millions de réals. Larissa, elle a fourni un extrait bancaire où on voit qu'ils ont fait des petits virements de 200 000, 500 000, 200 000 et ils ont enlevé 5 millions de réals en moins d'un mois et demi. Pendant que la meuf, elle demande de l'argent pour acheter une noix de coco. Et vous savez ce que Larissa va prendre par la suite? Parce que elle, ça va être des bonnes nouvelles sur des bonnes nouvelles. Elle va aller chez le médecin parce qu'elle était très malade. Et au moment de régler, vous voyez, sa mutuelle n'était pas à jour. Parce que sa mutuelle n'avait pas été payée depuis 3 mois. Du coup, bien sûr, au moment de payer, ça va lui coûter un bras. Parce que quand t'as pas de mutuelle, tu payes hyper, hyper cher. Et du coup, quand elle va payer, ben, sa carte va pas passer non plus. Et elle va devoir appeler son père pour lui demander, lui faire un virement pour qu'elle puisse payer son rendez-vous au médecin. Parce que ses parents n'ont pas payé sa mutuelle. Mais par contre, ils lui ont enlevé 5 millions de réals. Larissa, elle voulait savoir qu'est-ce qui se passait réellement. De base, c'était de la curiosité parce qu'elle voulait apprendre la gestion de l'argent, la gestion des sociétés. Mais là, c'est juste qu'elle sent qu'il y a un truc louche. Parce que Larissa, elle voyait clairement que ses parents étaient plus à l'aise financièrement que elle. Et là, on va rentrer en détail sur les sociétés de Larissa. Et je crois que vous n'êtes pas prêts. On va apprendre qu'en fait, les parents de Larissa avaient un accès complet à toutes les sociétés de Larissa. Mais c'est pas qu'ils avaient le mot de passe de son compte bancaire, non. C'est que Larissa, quand elle était plus jeune, bien sûr, ses parents lui ont fait signer un document qui leur donne le droit de tout décider. Puisque Larissa était très petite, bien sûr. Ça s'appelle une procuration, je crois. Ce qui veut dire donc qu'ils pouvaient enlever tout l'argent qu'il voulait du compte de Larissa sans lui demander. Il pouvait lui faire signer les contrats qu'il voulait. Il pouvait tout négocier. Il pouvait absolument tout faire. Ils avaient total pouvoir sur les 3 sociétés de Larissa. Et c'est aussi comme ça qu'ils ont vendu donc la maison de Larissa aux États-Unis sans son accord parce qu'ils ont procuration. Larissa va confronter ses parents une fois de plus sur ces sociétés en question et elle va enregistrer la conversation parce qu'à ce moment, ça se passait déjà très mal avec ses parents. Et en fait, dans la conversation, on peut entendre sa mère qui va s'énerver juste parce que Larissa veut se renseigner sur sa société, sur son argent, sur sa carrière, sur ses contrats à elle. Sa mère va tout simplement dire « Ne me considère plus jamais comme ta mère parce que maintenant, j'aurai seulement le titre. » À vous, Chic. Et comme je vous ai dit, ça va faire que s'empirer et c'est là que votre bouche va faire. Oh, Larissa va apprendre qu'une de ses sociétés, donc la première qui était vraiment petite, les parts étaient divisées en 3. La mère de Larissa avait 33%, son père avait 33% et Larissa avait 33%. Alors que c'est Larissa qui a travaillé, qui a fait les telenovelas, qui a fait les séries, qui a fait les films quand elle était petite, mais son père et sa mère touchaient 66% de ses chiffres d'affaires et Larissa touchait 33%. Est-ce que déjà ça vous choque? Parce que moi ça me choque. Mais on va passer donc à la deuxième société qui est la société la plus importante que Larissa utilise le plus pour ses collabs, pour le chiffre d'affaires de son livre, ses séries, ses films, tout ce qui est un peu plus actuel. Et Larissa avait un pourcentage de seulement 2% sur sa société. Ses parents touchaient 98% de son chiffre d'affaires et Larissa touchait 2%. Ça veut dire que si Larissa a fait une pub pour Starbucks où elle est payée 5 000 réals, avec ses parts de 2% sur 5 000 réals, elle va toucher seulement 100 réals sur 5 000. Et ses parents le reste. Alors que c'est elle qui crée le contenu, c'est son image, c'est elle qui fait le montage. Et c'est ses parents qui vont toucher 98%. Surtout qu'elle se rend compte de tout ça seulement à l'âge de 22 ans. Donc combien d'argent ses parents ils ont récolté dans son dos? Et je sais même pas comment un parent peut faire ça parce que je trouve ça tellement égoïste. Dans ce cas-là, tu vois que ta fille fait de l'argent, tu montes ton salaire, t'en discutes avec elle, mais t'investis cet argent dans sa carrière pour que plus tard elle puisse acheter un appartement. Bien sûr, logiquement, ta fille, elle va t'offrir une maison, comme Larissa, elle a offert 2 maisons à ses parents, une voiture chacun et plein d'autres choses. Mais pour moi, c'est clairement profiter de son enfant. Et c'est pour ça que je pense vraiment, je fais une parenthèse, mais je pense vraiment qu'il devrait avoir une loi qui fait que quelqu'un surveille ces enfants-là. Peut-être pas un manager qui est attribué par l'État, parce que ça serait compliqué que tu sois managé par quelqu'un que tu connais pas, cette personne aussi pourrait profiter, vous voyez. Mais avoir, comme vous voyez, les services sociaux qui surveillent si les enfants vont bien,
d'avoir un système qui, une fois, deux fois par an, surveille les documents, voit si l'enfant est rémunéré correctement, qui est une surveillance parce que ces enfants sont livrés à leurs parents et les parents n'ont pas d'intention bienveillante. Il faudrait que tout ça soit surveillé. Qu'est-ce que vous en pensez? Larissa, bien sûr, quand elle a appris tout ça, elle a été sur le cul et avec ses avocats, du coup, parce que c'est même pas comme si elle pouvait parler avec ses parents, parce que ses parents étaient très, très vénères. Qu'elle se renseigne sur tout ça en mode « Oh zut, on peut plus arnaquer notre fille, elle a tout découvert !» Donc c'était vraiment des avocats qui étaient là pour médiatiser le tout. Et les avocats de Larissa vont donc proposer... Larissa, trop gentille, que Larissa touche 60% et les parents touchent 40%. Déjà, je trouve que c'est très gentil de donner 40% alors qu'ils ne font rien. Certes, oui, il gère sa carrière, mais dans ce cas-là, tu mets un salaire fixe et basta. Mais dites-vous que les parents de Larissa vont refuser. Et ils vont faire une contre-offre, ils vont proposer 60% pour eux et 40% pour elle. Larissa, de base, elle allait accepter les 60%. Mais le problème, c'est que si l'autre personne a plus de pourcentage que toi, c'est elle le décisionnaire. Elle pourra pas prendre des décisions, elle va continuer à dépendre, de demander à ses parents si, est-ce que je peux faire tel contrat, est-ce que je peux m'enlever tant d'argent. Vous voyez, au Brésil, ça marche comme ça, je sais pas comment ça marche en France. Mais du coup, pour les avocats de Larissa, c'était pas possible que ses parents restent décisionnaires. Donc, elle va proposer 50-50. Et dites-vous que 50-50, ses parents vont pas accepter non plus. Ils vont proposer une autre offre, qui est 50-50 plus qui touche 6% du chiffre d'affaires annuel de Larissa pendant 10 ans. Mais il y a un autre point qui va être relevé, bien sûr, très important. Qu'est-ce que ça va être de tout l'argent qu'elle a déjà fait? Ben Larissa, pour enlever tout conflit, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va renoncer à tout l'argent qu'elle a déjà gagné dans sa carrière. Et là, on parle d'une somme de 18 millions de réal. 1 euro, on parle de 4 millions. Beaucoup vont dire que c'est de la maturité. Je sais pas si c'est pas de la naïveté, en fait. Mais du coup, son avocat qui va dire « Larissa, c'est n'importe quoi, mais Larissa va insister parce que c'est elle qui décide », il va dire « Écoute, si tu veux leur laisser les 18 millions de réal, ben en fait, tu leur demandes de sortir de la société et tu repars à zéro. » Et jusqu'à présent, ils ont toujours pas signé ce document où ils se retirent de leur société. Ils ont toujours pas signé. En contrepartie, les avocats, donc des parents de Larissa vont émettre une petite note en disant tout simplement que Larissa mentait, qu'elle inventait des choses. Ses parents vont dire qu'elle était au courant des 2% en question. Mais si tu lui as dit ça quand elle avait 14 ans, ça ne compte pas. Parce que ça m'étonnerait que tu lui aies dit ça quand elle est déjà majeure et vaccinée et qu'elle a conscience de l'argent. Les parents vont également affirmer que Larissa faisait toute une histoire et qu'elle utilisait toujours toutes ses cartes de crédit, qu'elle avait accès à tout son argent. Mais bon, il y a quand même tous les screens où elle demande de l'argent et que soit sa mère, soit son père répond. Il y a aussi des audios. Ils ont également dit qu'ils n'avaient toujours pas signé les documents en question pour quitter la société car ils avaient reçu ces documents début août et que donc ils avaient encore jusqu'au 1er septembre. Et à la fin du message, ils vont dire que Larissa reste une enfant très ingrate, qui a toujours été pourri-gâtée, qui a toujours eu tout ce qu'elle veut, mais qu'ils l'aimeront pour toujours. Et c'est quelque chose que Larissa elle-même va dire que quoi qu'il se passe, elle aimera toujours ses parents et elle sait que ça va s'arranger. Ça me semble beaucoup pour ma santé mentale, parce que je pense que perante a tantos acontecimentos, a gente precisa estar no eixo. Eu tenho fé que daqui em diante eu vou poder focar no meu futuro. Et si Dieu veut, colocar un point final dans cette histoire spécifique. Il y a quelque chose que je trouve assez triste et qu'il faudrait arrêter de normaliser, c'est le fait de tout accepter parce que c'est quelqu'un de ta famille. J'entends très souvent des gens dire « Ah, mais non, tu peux lui pardonner, c'est quand même ta mère, c'est quand même ton père. » Sauf que moi, je pars du principe que justement parce que c'est ta mère et ton père, ça aurait jamais dû arriver. Et je suis sûre que si c'était pas ses parents qui s'occupaient de sa carrière, mais un manager, et elle aurait appris ça, elle aurait taise sur le moment. Elle aurait même mis un procès sur son dos, je suis sûre. Et pourquoi là? Parce que c'est ses parents, elle doit l'accepter. Moi, je ne comprends pas, parce que les actions restent les mêmes, et pour moi, c'est juste encore plus grave. C'est justement parce que c'est tes parents que ceci n'aurait jamais dû arriver. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? J'ai un appartement que j'ai de vendre pour pouvoir payer la maison que eu tô morando hoje et que eu tive que pegar empréstimo. Et c'est vrai que j'avais fini mon script et il s'est passé quelque chose à nouveau ces derniers jours puisqu'on va à nouveau parler du fiancé de Larissa. Et une fois de plus, ses parents, ils étaient en train de dire qu'ils protègent leur fille
parce qu'elle est avec quelqu'un qui n'est pas avec elle pour les bonnes raisons. Et on va apprendre un incident, par exemple, où Larissa voulait offrir à son fiancé une Land Rover qui vaut 1,2 million de réals. Je sais pas si c'est réals ou dollars pour le coup. Et en fait, cette Land Rover était à ses parents et elle voulait reprendre la Land Rover de ses parents parce que ça se passait pas trop bien pour la donner à son fiancé. Et en fait, la Land Rover a été achetée avec l'argent de Larissa, bien sûr. Ses parents n'ont pas du tout été d'accord et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu la Land Rover à un prix bien en dessous du marché. Quelqu'un d'autre va parler et c'est une femme qui bossait dans la villa des parents de Larissa. Mais cette femme va dire que la mère de Larissa, Sylvana, avait déjà frappé sa fille et qu'elle s'en vantait. Donc là, c'est des accusations très très graves. Il y a des cas où elle frappait Larissa, mais c'était pas juste une gifle, elle lui mettait une vraie raclée. Tout ça parce que Larissa ne faisait pas ce qu'elle voulait. Sylvana n'a jamais eu honte de dire qu'elle frappait sa fille devant les gens. Une fois, elle a cassé la dent de Larissa et elle a toujours parlé de cet incident en disant « J'ai cassé la dent de Larissa et je le referai si c'était à refaire. » Et c'est vrai qu'au Brésil, les gens comparent beaucoup le cas de Larissa comme le cas de Britney Spears. Parce que Britney Spears, c'est vrai que c'était quelqu'un qui faisait un peu n'importe quoi et qui a été mise sous tutelle pour son bien parce qu'elle partait en cacahuète. Et en fait, on n'a jamais eu la version de Britney Spears parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce qu'on ne lui a pas donné l'occasion de l'exprimer, parce qu'on l'a totalement enfermée et on a pris tout son argent pendant des années et des années. Et les gens disent que Larissa, ben, ça aurait pu lui arriver la même chose s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux parce que ses parents ont profité d'elle pendant 18 ans de sa carrière. Ils lui ont pris tout son argent pendant 18 ans et va savoir s'ils n'auraient pas pu faire plus. Je pense pas que ça aurait fait comme Britney, mais une chose est sûre, c'est que si Larissa n'aurait jamais posé de questions, ça aurait continué pendant des années et des années. Mais voilà en ce qui concerne le cas de Larissa Manoela. Qu'est-ce que vous en pensez des actions des parents? Est-ce que c'est juste moi qui trouve ça totalement absurde de normaliser ce que ses parents ont fait sous prétexte que c'est ses parents? Qu'est-ce que vous en pensez de la façon dont Larissa a géré tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'elle a tout laissé à ses parents? J'ai très très hâte d'avoir vos avis dans les commentaires et je suis très contente de faire cette JVDT parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été autant hype par un sujet comme ça. Bref, j'espère que cette JVDT vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle JVDT. Je vous laisse également deux autres vidéos sur l'écran. N'oubliez pas de vous abonner. Je fais plein de bisous. Belle journée.